Comme vous l'avez vu dans l'introduction, aujourd'hui on va parler d'un accessoire fantastique qui permet tout simplement de transformer votre smartphone en véritable console portable. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jean-Marc. Pour ceux qui découvrent ma chaîne, sachez qu'ici on parle vidéo, photo et puis on teste du matos. Mais aujourd'hui, je me suis dit qu'il fallait quand même que je parle un peu plus de mes objets tech, d'où cette vidéo. Aujourd'hui, je vous présente ce petit backbone que j'utilise depuis quelques mois maintenant et je dois dire que je l'adore. Bon, je ne suis pas un véritable gamer dans l'âme. Alors, on va se faire un petit unboxing rapide, car vous allez voir dans la boîte, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste deux accessoires, dont le pad Backbone. Et puis, vous avez un petit accessoire en caoutchouc qui va venir tout simplement adapter au mieux vos iPhone 13 Pro et Pro Max. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, le packaging, ça me fait vraiment penser à un produit officiel Sony, que Sony vendrait. Mais en fait, pas du tout. C'est vraiment une collab entre les deux marques. Alors, Sony officialise vraiment la version, c'est marqué dessus, en version iPhone iOS. Mais sachez qu'il existe également en version Android. Et puis également la manette noire, si vous avez une Xbox, avec les boutons à l'effigie de la Xbox. Maintenant, je vais vous faire un petit tour de la manette. Vous avez les boutons R1, L1, R2, L2, tout ça, tout est pareil. La seule différence que vous allez retrouver, c'est les joysticks qui sont pas l'un à côté de l'autre. Je vous remets la manette de PS5 à côté. Vous pouvez constater que c'est à peu près les mêmes boutons. En haut, en bas, c'est les R2, L2, tout ça, c'est pareil. C'est vraiment très similaire et moi, j'adore. Allez, maintenant, on va mettre le téléphone sur la manette. Donc, voici le petit accessoire que je vous disais tout à l'heure, que vous avez un iPhone 13 Pro et Pro Max pour éviter que les objectifs tapent à l'arrière sur le plastique. Tout simplement, voilà, ils ont vraiment pensé à tout. Ça vient se mettre en 2 secondes, voilà, c'est juste un adaptateur. Ensuite, on va venir prendre son iPhone 13 Pro Max et venir le mettre en lieu et place, tout simplement. Voilà, vous refermez le tout, hop. Et c'est prêt à jouer. Alors, afin de pouvoir bien mettre votre téléphone dedans, il faut enlever les coques parce que c'est pas fait pour jouer avec une coque. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais on dirait vraiment une Nintendo Switch. Ce que vous en pensez. En plus, je dirais même plus la dernière, la OLED, parce qu'elle est blanche sur les côtés. C'est très stylé. Un intérêt d'avoir cette manette, si vous n'avez pas de console de salon et que vous n'avez pas non plus l'application Apple Arcade, eh bien, vous pouvez quand même jouer avec cette manette car elle est compatible avec beaucoup de jeux de l'Apple Store. Maintenant que le téléphone est installé, vous appuyez sur la petite touche orange Backbones et tout simplement, vous allez rentrer dans vos jeux favoris. Pour une connexion à distance pour votre Play, il faut télécharger en amont le PS Remote Play. Une fois que vous avez ça, vous pouvez jouer à distance. Mais il faut faire un petit réglage sur votre PS5, c'est-à-dire qu'il faut mettre la lecture à distance, il faut la mettre sur oui, parce que par défaut, elle est sur non. Voilà, je vous montre ça rapidement sur l'écran de la télé. Vous allez dans les réglages, vous cherchez la lecture à distance, vous la mettez sur oui, et à partir de là, vous allez pouvoir jouer tout simplement à distance avec votre Play. Et quand je dis à distance, c'est vraiment à distance, et vous pouvez jouer n'importe où, du moment que vous avez une bonne connexion. Avec votre réseau en 4 ou 5G, ça marche, mais bon, c'est pas l'idéal, car vous allez avoir des petites latences, des petits lags. Moi, je vous conseille vraiment, si vous voulez profiter au maximum de votre manette, de jouer en Wi-Fi. Alors moi, généralement, je joue en Wi-Fi, mais je suis vraiment pas très loin. Généralement, je suis dans le jardin ou encore dans la chambre. Le principal inconvénient, moi, je trouve, quand on joue à distance, c'est qu'il faut obligatoirement laisser votre console allumée et ça, je suis pas très fan. Je vous conseille pas de laisser la console allumée pendant 15 jours si vous êtes parti en Thaïlande et que vous voulez jouer à distance, parce que je sais pas ce que ça peut donner une console qui tourne non-stop. Petite parenthèse. Allez, comme je vous ai dit, on appuie sur le petit bouton orange et on atterrit directement dans la section des jeux. Donc voilà, vous avez tous les jeux de l'Apple Arcade, la Xbox. Et puis, nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est quand même de jouer à distance avec notre fameuse PS5. Alors, on va la connecter tout simplement au réseau. Ça cherche. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut vraiment avoir une très bonne connexion. Je suis connecté à distance. Tout simplement, j'ai accès à ma PS5 qu'on pourrait lancer.
Bon, on va se lancer ça, God of War, c'est très bien ça. C'est quand même super, moi j'adore. Ah, je vous laisse un peu admirer la séquence. Donc voilà, moi là, je suis à la maison, j'ai le Wi-Fi. Ah, c'est vraiment stylé. Allez, on continue la partie en cours. Comme je vous disais, c'est quand même assez bien fait. Regardez, il n'y a pas de latence. C'est trop trop bien de pouvoir jouer à son jeu favori, au calme, tranquille. Regardez comme c'est beau. Je ne sais pas si c'est pas encore plus beau sur le téléphone que sur la télé, franchement. Et vous avez vu, quand vous êtes en Wi-Fi, vous avez zéro latence. C'est fluide, c'est bien, ça marche. Voilà. Ensuite, c'est bien beau de jouer à sa play à distance, mais comme je vous ai dit, l'intérêt, c'est de pouvoir, par exemple, jouer à son petit Call of version mobile. Un jeu que j'affectionne particulièrement, j'adore ce jeu. Et de jouer avec son téléphone, parce que j'ai commencé à jouer avec le téléphone, bon, c'était bien, mais alors avec la manette, oh, c'est vraiment excellent. Voilà, par contre, ces pubs, c'est l'enfer. Allez, on va lancer une partie. Ça prend vraiment une autre dimension de jouer au Call of Duty sur mobile, la version mobile, avec les joysticks. C'est vraiment très stylé. Oh, oh bien. Ah ben voilà, je suis rentré dans une partie sans faire attention. Je me suis fait éclater. J'avais pas fait attention, je croyais que c'était l'intro, mais non, ça commence direct. Donc vous voyez, c'est fluide, ça marche bien. Avec les joysticks, c'est vraiment top. Ça change vraiment sa façon de jouer. Parce que vous avez, je sais pas si vous avez déjà joué... Ah mince, j'ai vraiment une brêle. Je sais pas si vous avez déjà joué à Call of Duty sur mobile. Mais sur l'écran, c'est très, très galère. Et là, avec ça, c'est fantastique. Vous avez vu la fluidité? Bon, voilà. Faut pas non plus pousser, hein. Faut pas mourir à chaque fois. Voilà, c'est vraiment ce que je vous disais, de jouer avec une manette, ça change vraiment tout. Donc, comme vous l'avez compris, moi, j'adore cet accessoire. C'est vraiment un petit kiff. Ah, j'ai découvert ça il y a 2 mois, et honnêtement, je suis vraiment pas déçu. Je vais juste vous faire part de mon avis. Donc déjà, c'est une manette officielle Sony, enfin du moins en collab avec Sony, franchement. Elle est très bien faite, très quali, les caoutchoucs sont vraiment bien, les touches sont excellentes. Tout est vraiment bien pensé. Ça marche super bien comme vous l'avez vu, à condition d'être vraiment un Wi-Fi et en 5G, vraiment avoir une très bonne connexion. Bon, pour éviter les latences, mais sinon dans l'ensemble, ça marche super bien. Par contre, petit bémol, derrière, moi j'aurais aimé avoir un grip. Parce que sinon, ça, en fait, vous la tenez pas très bien dans vos mains, ça glisse un petit peu. C'est juste un petit détail. Et puis, deuxième petit inconvénient, j'ai envie de dire, c'est son prix. Car actuellement, il n'y a que Backbone qui la vend. Et il va falloir débourser 119€. Alors pour moi, je trouve que c'est un petit peu cher pour ce style d'accessoire. Je pense qu'aux alentours des 80€, ça aurait pu faire l'affaire. C'est quand même un objet très bien fait, très quali. J'adore. Ça fait 2 mois que je l'utilise, pimpette, pas une rayure, les boutons tiennent toujours bien, ils cliquent bien, c'est vraiment excellent. Donc voilà, c'est vraiment un accessoire qui est fait pour tout le monde, que vous soyez un gamer dans l'âme ou pas du tout. Alors moi, je vous conseille cet accessoire si vous aimez jouer aux jeux vidéo. Bon, si vous n'êtes pas un gros gamer dans l'âme, c'est pas grave. Moi, c'est pas mon cas, j'y joue de temps en temps. Mais quand j'y joue, j'aime bien être à l'aise, pas être sur mon écran de téléphone car au bout de 3 minutes et vous avez plein de traces de doigts, c'est très chiant. Quand j'ai vu cet accessoire passer sur les réseaux, j'ai dit tiens, il faudrait que je teste, ça peut être sympa. Et honnêtement, je suis ravi de mon achat. C'est vraiment une façon de jouer complètement différente. Vous allez voir sur l'Apple Store, c'est vraiment compatible avec énormément de jeux. Quand vous avez la Backbone connectée au smartphone, vous allez voir, il y a un petit logo qui apparaît, je vous le montre. Voilà, c'est ce petit logo qui vous dit que c'est compatible avec la manette. Pour conclure, vous l'avez compris, moi je kiffe ce produit. Dites-moi si vous connaissez déjà cette marque. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo, à la partager. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, faites attention à vous. Allez, la bise.